Nana, c'est qui? C'est mon boss. Hein? C'est mon boss. D'accord. J'ai vu une femme avec un monsieur qu'on appelle Nana. Vous travaillez quoi? What are you working? Je travaille à Eneo. Hein? Eneo. C'est votre patron Eneo. It's your master Eneo. Hein? Eneo. Il s'appelle comment? How is it called? Nana. Nana. Dans votre chambre, madame. Hein? In your farm. Je vous ai vu dans une chambre. I saw you in the room. Je vous ai vu dans une chambre, j'ai vu un lit. J'ai vu un matelas sur le lit. J'ai vu un vieux matelas dans le lit. J'ai vu un lit en bois. J'ai vu un lit en bois. J'ai vu un lit en bois. 170 fois 120. Oui, papa. Les dimensions de votre lit. Dans votre chambre, j'ai trouvé des chaussures de ballerine. Il y en a quatre. Trois, vous utilisez. La quatrième est gâtée. La quatrième, vous l'utilisez plus parce qu'elle est déjà usée. J'ai vu étaler quatre robes. Hein? Dans votre chambre, j'ai vu quatre robes. Vous avez deux ensembles pailles. Vous avez un cabas du 8 mars dans votre chambre. T'es là, il y a une across Modeus. Et j'ai regardé dans votre chambre. J'ai trouvé trois babouches en plastique. J'ai vu parmi vos sandales une avec laquelle vous partez au travail. Avec quelque chose comme le cœur à ce niveau. C'est ça, madame? D'accord, je suis vous connais. J'ai vu Nana. J'ai vu ses yeux sur vous. Hein? J'ai vu ses yeux sur vous. Je l'ai vu conduire une voiture. Comme un 4x4. Ça, c'est une Toyota. Double cabine. C'est ça, madame. Il conduit une Toyota. Il est 4x4. Double cabine. L'immatriculation de la Toyota, c'est CE022. Et je l'ai vu. Un jour, il vous a demandé de l'accompagner quelque part. Et vous avez refusé. Vous lui avez dit que vous travaillez. Il a insisté pour que vous l'accompagniez. Vous lui avez dit non, je suis occupé. Non, c'est ça, madame. Hein? Quand vous avez refusé, il vous a pris en haine. Et il a dit, comme vous voulez montrer que vous êtes une femme, il va vous montrer. Et il vous a dit ça. Il vous a dit que comme vous voulez montrer que vous êtes une femme, et que celui, votre patron, il va vous nuire jusqu'à ce que vous sortiez de la sonnelle. J'ai vu quelqu'un où vous travaillez qu'on appelle Joseph. I saw someone where you are working called Joseph. J'ai vu un monsieur. I saw a man qui travaille dans votre agence. That works in qu'on appelle Joseph. That is called Joseph. Hein? Oui, Joseph. Joseph. C'est comme si c'est les agents de terrain. C'est comme si lui travaille sur le terrain. Oui, papa, vous le connaissez? Do you know him? On l'appelle comment? How is he called? Joseph. Joseph. D'accord. J'ai vu quelqu'un où vous travaillez qu'on appelle Joseph. I saw someone where you are working called Joseph. J'ai vu un monsieur. I saw a man. Qui travaille dans votre agence? That works in qu'on appelle agency. Joseph. That is called Joseph. Hein? Oui, Joseph. Joseph. C'est comme si c'est les agents de terrain. C'est comme si lui travaille sur le terrain. Oui, vous le connaissez? Do you know him? On l'appelle comment? How is he called? Joseph. Joseph. D'accord. J'ai vu Joseph est plus Joseph. Dangereux que Nana. He's more dangerous than parce Nana. Que lui aussi vous persécute. Because he persécutes. Lui aussi vous aime. He loves you. Et vous a aussi dragué. I dated you also. C'est ça? Isn't it? Vérité, hein? J'étais là. Was I there? Parce que Joseph. Because Joseph. Vous a dit. Et il a dit à son ami. He told his friend. Il a un ami qu'on appelle Bernard. He has a friend qui travaille aussi avec vous. That works with you. Ils sont toujours à deux. They are always together. Ils travaillent où c'est relevé les compteurs. Ils travaillent dans un endroit où il y a les fils ou les courants. Hein? Ils sont avec Bernard. Ils sont souvent dans la même voiture. Pour aller faire les opérations sur le terrain. Operation on the spot. Hein? Vous connaissez Bernard? You know Bernard. Il avait son ami Bernard. He has a et il a dit Bernard, à son collègue, and he told his colleague, que vous le vouliez ou pas, that he wanted or not, vous allez passer dans son lit. You pass on his bed. Est-ce que quelqu'un est venu vous demander le bic? Qui vous a demandé le bic? Who asked you the pen? Une de mes collègues. Mimi, c'est qui? Où c'est Mimi? Who is Mimi? Hein? Mimi, on l'appelle aussi Marie. She's also called Marie. Oui, Marie, c'est Nina, ma fille, papa, c'est Nina. Marie, c'est qui? Who is Marie? C'est
Hein? C'est ma cousine. Vous. You. J'ai vu un monsieur qui a demandé votre BIC au lieu de travail. Vous l'avez remis, il est parti. Il ne vous a pas remis le BIC. On l'appelle Bernard. He's called Bernard. Oui, papa. Oui, papa. Bertrand, c'est qui, madame? Who is Bertrand? Je connais un certain qui de France, c'est un ami au lycée. D'accord. Bertrand, c'est qui, madame? Who is Bertrand? Je connais un certain qui de France, c'est un ami au lycée. D'accord. Mais vous l'aimiez? But you loved me. Hein? Vous n'êtes bien, n'est-ce pas? Vous étiez à l'école ensemble, dans la même salle de classe. Il y avait une fille qu'on appelait Olivia, dans votre salle de classe, votre camarade de classe. On l'appelait comment? Olivia. Elle sortait avec Bertrand. Lorsque vous étiez au lycée, le Dieu des cieux a ouvert une porte devant vous qui s'appelait Bertrand. C'était un jeune homme très aimé, très sollicité des jeunes femmes. C'est un jeune homme bien. Et Dieu vous l'a donné comme mari. C'était votre don à vous. It was your gift. Mais à l'époque, vous n'avez pas su que cette porte était pour vous. Et votre camarade, Olivia, a commencé à aimer Bertrand. Elle a réussi à séduire le cœur de Bertrand et vous n'avez rien fait pour retenir le cœur de Bertrand. Finalement, elle a arraché Bertrand entre vos mains. Et vous avez perdu Bertrand. Et Bertrand et Olivia se sont mariés. Ils ont eu deux enfants. Papi et Simon. Et vous, vous n'êtes pas encore mariés. Et dans votre salle de classe, il y avait un jeune homme qu'on appelait Olivier. There was a young man called Olivier. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Olivier. A young man called Olivier. C'était le chef de classe. He was a classmate. Votre chef de classe s'appelait comment? Olivier. Lorsque vous avez perdu Bertrand, when you lost Bertrand, l'ange de l'Éternel a ouvert une seconde voie pour vous. Et cette voix s'appelait Olivier. This one was et Olivier, Olivier vous a dit qu'il vous aimait. Olivier told Il vous a fait la cour. Et vous avez refusé. Mets le micro. Refused. Vérité, papa. J'ai entendu quelque chose comme Guy. Hein? Comme Guy. Hein? Il y a Guy Bertrand qui est celui dont je parlais tout à l'heure. Oui. Non, ça va. Je l'ai vu avec un téléphone Galaxy. Oui, papa. Une Samsung. Samsung. Oui, papa. Galaxy S3. Galaxy S2. Dans son téléphone, in his phone, j'avais un répertoire de téléphone, de noms, un répertoire. Contact et dans son répertoire, j'ai vu des noms qui ne doivent pas être là. Trop de noms qui ne doivent pas être là. Je vais donner quelques noms. Oui, papa, il y a Marie. There is Marie. Vous avez vu Marie? Have you seen oui, papa, Marie? Il y a Marie. Il y a Vanessa. There's Vanessa. Vous avez vu Vanessa? Have you seen Vanessa? Orange et MTN. Il y a Vanessa. Vanessa. Vous avez vu Laure? Laure. Have you seen Laure? Oui, papa, vous avez vu Laure? Have you seen Laure? Papa, il y en a. Vous avez vu Christine? Have you seen Christine? Trois Christine, papa. Il y a trois Christine. Can I prophesy? Est-ce qu'il y a pas prophétisé? Est-ce que vous achetez la viande chez un nordiste? Are you buying meat? Oui, papa, la viande de bœuf. Oui, chez un nordiste, oui, Mustapha. Mustapha. Papa, je ne m'étais pas. Vous ne connaissez pas son nom. Oui, c'est Mustapha. Parce qu'il vous fait la cour. Et Dieu m'a dit de vous dire de faire attention. Les viandes qu'il vous ajoute là. Oui, il est en train de faire le charme sur ça. He's putting charm upon it. Il vous a charmé déjà trois fois. I charmed you thrice. Oui, parce que quand j'achète de la viande là-bas, il en met assez. Oui, il met assez. Ce qui m'a déçu. C'est le remède que Mala Moussa lui a donné. Donc n'achetez plus la viande sur Moustapha, s'il vous plaît. Merci, à l'heure si où Bertrand est en train de revenir, il ne faut pas jouer. Don't joke with it. Amen, papa. Oui, papa. Dans votre lieu de travail, in your job site, j'ai vu que je suis en rapport avec Ekounou. Hein? Que je suis en rapport avec Ekounou. Il y a une femme qui travaille dans votre agence qu'on appelle Marie. That is called Marie. Son nom c'est Marie. Her name is Marie. Et Marie s'y habite à Ekounou. And Mary lives at Ekounou. Hein? Vous la connaissez? You know her. On l'appelle comment? How is she called? Marie. Marie.
Il y a quelque chose qu'elle est en train de préparer pour mettre sur votre tête. C'est un cas de détournement d'argent. J'ai dit c'est un cas de quoi? De détournement d'argent. Je l'ai vu venir où vous êtes. Hein? Je l'ai vu venir où vous êtes. Devant votre table. Je l'ai vu venir avec les papiers. Hein? Pour vous demander de signer. Faites attention. Quand il viendra, dis-lui, je ne signe pas. Laissez qu'elle amène ça chez le chef d'agence. Si vous signez, vous irez en Kondengi. Et si vous ne signez pas, elle ira en Kondengi. Parce qu'il y a un réseau mafieux. Il y a un réseau mafieux dans votre agence. Il y a un réseau de mafia qui sera démasqué bientôt. Il y avait un numéro comme 699. Il y a un numéro comme 699. 699. Comme 699, 66. 22. Et j'ai vu le numéro vous appeler. And I saw the number calling you. Et ça c'est Guy Bertrand qui vous appelle. Guy Bertrand calling you. Vérité, avec papa. Son numéro orange. Oui, papa, numéro orange. 699 66 22. 66, la dernière lettre, les deux dernières c'est 0 quelque chose. Je cache ce qui reste là. C'est ça son numéro? Oui, 09 01. Oh, regardez alors. Vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? Are you sure we don't know? Vous êtes sûr qu'on n'a pas donné son numéro à quelqu'un ici? Sure, vous n'avez pas écrit ça sur un papier, ça s'est perdu et j'ai ramassé ça. Non, je l'ai juste dans mon téléphone. Vous avez juste dans votre téléphone. Just have it in your phone. Quel est ce Jésus qui voit le numéro juste Jesus? Dans son téléphone? Vous partez briller. Joyeux mariage. Happy marriage. Vous êtes préservé. You are preserved. Tu es aussi préservé au nom de Jésus. You are...